Your presence is overwhelming. There's nothing like your presence. Bonjour frères et sœurs du corps de Christ, je m'appelle Yann, chantre conducteur de louanges de l'église locale CCR Casablanca au Maroc, et que la joie de Christ soit notre partage. Alors aujourd'hui nous allons discuter d'un point qui ma foi est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Cela est l'essence de notre vie, la raison de notre existence, le but pour lequel Dieu nous a créés. Cela dit, la louange, selon ce qui est écrit, que tout ce qui respire loue le Seigneur, en psaume 150, le verset 6. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du culte, non pas dans son immensité, mais nous allons ensemble essayer de comprendre le culte ou l'adoration dans l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament. Alors, pour parler de l'Ancien Testament, il faut forcément parler des dispositions établies par Dieu pour le peuple d'Israël, afin qu'il remplisse sa mission, c'est-à-dire leur habitude, leur foi, et leur attente vis-à-vis de Dieu. Aussi parler de la loi établie par Moïse, qui n'avait pas pour but de justifier l'homme de ses péchés, mais plutôt de montrer à l'homme son incapacité à plaire à Dieu. Autant pour moi. Alors, donc, le but, ce n'est pas de prévaloir l'Ancien Testament au Nouveau, ou plutôt le Nouveau à l'Ancien Testament, mais plutôt de nous aider à rentrer dans ce double héritage que Dieu nous donne au travers des deux testaments, parce qu'en réalité, l'Ancien Testament prépare le Nouveau, et le Nouveau accomplit l'Ancien Testament. Selon ce qui est écrit dans le livre de Marc, verset 10 au verset 9, la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu lui-même a joint. Et dans le livre de 2 Timothée, le verset 3, 2 Timothée 3, autant pour moi, le verset 16, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Alors pour commencer, on va voir quelques définitions qui justement nous aideront à mieux évoquer notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire le culte. En faisant donc une vérification ou une recherche selon le dictionnaire, j'ai donc noté que le culte est un ensemble de pratiques ou adorations, d'hommages ou de vénération rendues par un groupe à une divinité, ou une personne à une divinité, un être vivant mythique ou réel, à un inanimé ou un phénomène à qui ce groupe reconnaît d'une dimension de supériorité ou d'excellence ou de sacré et attribue des qualités remarquables ou exceptionnelles. Dans la Bible, l'adoration est en premier lieu un hommage rituel rendu à la divinité. Le terme donc hébreu qui désigne l'adoration, c'est « shaka », et le terme grec qui désigne l'adoration, c'est « proskounesis ». Ces deux termes traduisent exactement le geste lié à l'adoration, car ces deux termes signifient « se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect ». Il y a certains passages de la Bible qui nous décrivent cela, en l'occurrence Apocalypse 7, le verset 11, la Bible dit « Les anges se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent. » Et dans le livre de 1 Corinthiens 14, le verset 25, la Bible dit « Tombant sur sa face, il adorera Dieu. » Alors, au regard de ces deux définitions, on peut donc comprendre que l'adoration est une attitude intérieure de cœur qui se traduit par la suite de façon extérieure par des actes, c'est-à-dire des expressions d'adoration. Le fait de se prosterner, le fait de chanter, le fait d'offrir à Dieu un présent, le fait d'offrir une offrande à Dieu, et cetera. Pour mieux comprendre donc l'adoration ou le culte selon l'Ancienne Alliance, on va donc repartir au tout début de la chose, au commencement et à l'origine de tout, c'est-à-dire la Genèse. Ah, excusez-moi. Parler du culte, c'est donc parler des rapports de Dieu avec l'homme. Et pour ce faire, on va lire le livre de Genèse 2, le verset 7. La Bible dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre
Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Ici, la Bible précise que Dieu forma le corps de l'homme de la poussière de la terre. Cependant, l'homme est plus qu'un corps. L'homme est une âme et pas n'importe quelle âme. L'homme est une âme vivante. Dieu veut donc attirer notre attention et nous exhorte de ne pas accorder trop d'importance au corps, car ce n'est pas ce corps qui nous définit ou qui définit notre personne, mais selon ce verset, la Bible nous apprend ici que nous sommes plutôt des êtres spirituels. C'est pourquoi il est écrit en Ézéchiel 18, le verset 20, « L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra ». Dans le livre de Genèse 1, le verset 26, la Bible dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Au regard de ce verset, l'homme fut créé à l'image de Dieu. Voilà donc ce qui distingue l'homme d'avec les autres créatures, les animaux, les poissons ou les reptiles, comme vous voulez. Et l'homme, image de Dieu, signifie que l'homme est donc capable de faire des choix. Cela signifie également que l'homme est doté d'une raison, que l'homme a la capacité de réfléchir, a la capacité de penser, que l'homme est doté d'une capacité créatrice, aussi que l'homme a la faculté d'aimer. J'ai donc aimé ce qu'un frère pouvait me dire un jour. Il me disait, Yann, si nous, hommes, nous avons la capacité de voir, de toucher, de sentir, de parler, c'est parce que notre Dieu également a ces mêmes capacités. Selon ce qui est écrit, que nous sommes l'image de Dieu. Donc forcément, les capacités de l'homme sont forcément rattachées à la nature de Dieu ou aux capacités de Dieu. Et dans le livre de Genèse 3, le verset 8, la Bible dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » On remarque que l'homme est alors en parfaite harmonie avec Dieu. Selon la première phrase, je peux relire, il est marqué « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel ». Donc l'homme avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Donc l'homme est en parfaite harmonie avec Dieu. Et il possède donc la capacité d'aimer et d'obéir à Dieu. Mais l'homme étant un être libre, pouvait également pécher. Et en Genèse 2, le verset 16 au verset 17, la Bible dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Ici, Dieu révèle à l'homme, ou si vous voulez, Dieu révèle à l'homme ici qui conditionne sa communion constante avec lui. Et pour ce faire, l'homme doit donc exprimer son amour pour Dieu en lui obéissant. Et si l'homme désobéit à Dieu, la Bible dit que l'homme mourra. Et ici, la Bible n'évoque pas une mort naturelle ou physique du corps que nous connaissons tous, un arrêt cardiaque, un infarctus ou quelconque maladie qui peut emmener l'homme à la mort. Mais ici, la Bible veut attirer notre attention sur cette mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation immédiate de Dieu et de l'homme. L'homme était donc placé devant le choix de l'obéissance ou de la désobéissance. Et au regard de tous ces versets, l'homme avait donc évidemment, bien évidemment reçu l'enseignement nécessaire et les ressources nécessaires pour obéir à Dieu. Cela dit, 1. Il était fait à l'image de Dieu. 2. Il était en communion parfaite avec Dieu. 3. Il était placé dans un environnement parfait, autant pour moi. 4. Il avait la capacité d'obéir. 5. Il connaissait le châtiment de la désobéissance. Donc l'homme avait en sa disposition toutes les ressources nécessaires pour mener à bien cette mission que le Seigneur lui avait donnée dans le jardin. Et en Genèse 3, le verset 24, la Bible dit « C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante
pour garder le chemin de l'arbre de vie. Adam et Ève perdirent donc la communion avec Dieu et furent chassés du jardin. Et les effets du péché affectèrent donc leur corps et leur âme. Alors, selon les versets cités en amont, le culte de l'homme envers Dieu s'arrêtait donc à l'obéissance, avant le péché justement, s'arrêtait donc à l'obéissance de l'enseignement de Dieu. Mais l'homme va pécher. Alors, on verra par la suite que Dieu, par le biais de Moïse, va donc donner les 10 commandements. Et parce que l'homme avait perdu sa vraie nature, l'homme ne pouvait donc pas respecter les 10 commandements sans péché. Et parce que Dieu est amour et qu'il a toujours voulu que l'homme soit en communion avec lui, il va donc chercher à rétablir cette communion. Motivé par le désir de garder la présence de Dieu à ses côtés, l'homme à l'époque de Moïse va donc construire un tabernacle qui était la tente qui abritait l'arche d'alliance ou l'arche de l'alliance. Dans l'Ancien Testament, justement, le tabernacle devait être l'habitation provisoire de Dieu, sa résidence et le centre de ralliement du peuple de Dieu. Selon ce qui est écrit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux, en Exode 25, le verset 8. Une chose très importante à noter, c'est qu'avec le tabernacle qui représentait la demeure de Dieu, et aussi avec l'autel, bien évidemment, qui était ce lieu de rencontre avec Dieu, Dieu ne restait pas de manière permanente auprès de l'homme. Dieu va donc établir un principe qui lui permettra de descendre vers l'homme. Je parle du principe de l'offrande, du culte sur l'autel, qui était le lieu de rencontre avec Dieu. Alors, pour parler du culte dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, il fallait donc rassembler 4 éléments essentiels, à savoir le sacrifice, 1, 2, le sacrificateur, 1, autant pour moi, 2, le sacrifice, 3, l'autel, et 4, la divinité elle-même. Alors, le sacrifice, selon le livre d'Exode et de Lévitique, ici la Bible nous dit que le sacrificateur, justement, c'était une personne mise à part, consacrée, et parler de consécration, c'est forcément parler justement de la sanctification ou de la sainteté. Et on peut le remarquer d'ailleurs que même les vêtements du sacrificateur étaient conçus de façon très spéciale. En Exode 28, la Bible dit, ceci nous rappelle donc la notion de la sanctification. Selon ce qui est écrit en 1 Corinthiens 6, le verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Le sacrifice, lui, parlant de l'Holocauste, justement, devait être sans défaut. Dans le livre de Lévitique 1, la Bible nous en parle et nous rappelle encore la notion de la sainteté au travers de ce sacrifice qui ne devait pas présenter de défaut. Alors, l'autel également de Dieu qui représentait le lieu de rencontre avec Dieu devait être bâti par des matériaux bien spécifiques parce qu'il s'agissait justement du lieu de rencontre avec Dieu. Ceci nous montre encore comment Dieu, dans sa sainteté, part jusqu'à dans les moindres détails concernant le culte. Et après, nous avions donc un dernier élément à rassembler, c'est la divinité elle-même, qui est aussi sainte. Selon ce qui est écrit en 1 Samuel 2, le verset 2, « Nul n'est saint comme l'Éternel, notre Dieu. » On comprend donc par là que la sanctification est l'élément premier du culte ou de l'adoration, et que pour Dieu, cela n'est pas une alternative, mais c'est une obligation pour lui plaire. Selon ce qui est écrit, « Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. » Hébreux 12, le verset 14. Alors, dans le livre de Lévitique, les chapitres 1, 2, 3 et 4, on remarquera qu'il y a plusieurs catégories d'offrandes rendues à Dieu, et chaque offrande était donc donnée à une occasion bien précise. La nature de l'offrande même était fixée par Dieu lui-même, et tout ceci devait être offert d'une façon bien précise. Alors, on peut citer l'Holocauste, justement, qui était offert à l'occasion d'un hommage, d'une reconnaissance, d'une expiation. Et cette offrande, cet holocauste justement, devait être brûlé et l'odeur qui montait devait apaiser
l'Éternel. On peut également citer l'offrande de nourriture en Lévitique 2, l'offrande de sacrifice de communion en Lévitique 3, et cette offrande justement qui était un bétail sans défaut, comme on a su le souligner en amont, et la graisse de ce bétail justement devait être consumée, brûlée, et le reste fait l'objet d'un festin sacrificiel entre les prêtres et les adorateurs. Alors, les différents types de sacrifices et d'offrandes, leur occasion et leur rituel sont donc conditionnés par la loi dans la mesure où, parce qu'il était impossible à l'homme de respecter à 100% la loi, cette même homme devait donc, pour faire appel à la compassion et à la communion de Dieu, offrir à Dieu des sacrifices. On peut donc dire que la communion de l'homme avec Dieu en présentant un sacrifice était rétablie que pour un temps, d'une manière temporaire. On va donc voir, en faisant une étude du livre des Hébreux, les chapitres 9 et 10, ce que c'est que le culte dans l'Ancienne Alliance et les leçons à tirer là-dessus. Alors, en Hébreux 9, le verset 1, la Bible dit « Le culte de l'Ancienne Alliance était marqué par des lois et des règles, et un lieu réservé à Dieu sur la terre. Pour cela, on avait planté une tente dans laquelle se mettait l'arche de l'Alliance. » Alors, on remarque également que le sanctuaire était fait de mains d'homme et avait une place physique sur la terre. En Hébreux 9, le verset 3 au verset 6, on remarque que l'accès était extrêmement limité. Même les sacrificateurs étaient interdits d'accès à la présence de Dieu. On remarque également que seuls les sacrificateurs entraient, car tous n'étaient pas sacrificateurs d'ailleurs. Les sacrificateurs étaient donc une classe spéciale parmi le peuple de Dieu. Et en Hébreux 9, le verset 7 au verset 8, ici on voit que l'accès était très restreint. L'accès à la présence de Dieu était très restreinte, c'est-à-dire on parle là du lieu très très saint, du lieu très saint. Et seulement, il n'y avait que les souverains sacrificateurs qui, une fois par an, avec du sang, pouvaient rentrer pour les fautes, pour ses fautes à lui-même ou pour les fautes du peuple. Vous demandez justement miséricorde à Dieu. Et en Hébreux 9, le verset 9 au verset 10, on voit que les dons et les sacrifices offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur de celui qui célèbre le culte. Alors, on voit également que les sacrifices étaient constitués de choses matérielles et de cérémonies. On voit également que ces règles n'étaient valables que pour un temps bien défini, jusqu'au moment où Dieu allait changer les choses. Alors ça, j'aime bien ça. Ces règles n'étaient valables que pour un temps bien défini, jusqu'au moment où Dieu allait changer les choses. Comme quoi pour dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. En Hébreux 9, le verset 13, on remarque ici que le sang des boucs et des taureaux et les cendres étaient répandus sur ceux qui avaient fait une faute, de telle sorte que le corps soit purifié de ses fautes. Ensuite, ils pouvaient de nouveau célébrer le culte. On remarquera ici que voilà, la purification se faisait au niveau du corps, pas au niveau de l'âme ni de l'esprit. En Hébreux 10, le verset 1, on remarque que les adorateurs ne sont pas rendus parfaits car la loi ne pouvait pas rendre parfaits ceux qui s'y conformaient. Et en Hébreux 10, le verset 6 au verset 9, on voit ici que les sacrifices ne pouvaient pas satisfaire Dieu. Selon ce qui est écrit, tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. C'est pourquoi en Hébreux 9, le verset 14, la Bible dit « En effet, par l'Esprit Saint, le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Ainsi, il purifiera notre conscience abîmée par des actions qui conduisent à la mort. Alors nous pourrons servir le Dieu vivant. » On se souvient que le premier Adam avait pour responsabilité de veiller à l'héritage que Dieu lui avait donné, de veiller à sa femme,
mais ce dernier a péché et a interrompu justement la communion qu'il y avait entre l'homme et Dieu. Et Dieu fut troublé de ce que cette merveilleuse créature que nous sommes ne soit plus en communion avec lui. Il va donc se donner de la peine, il va chercher un autre moyen, c'est-à-dire un autre homme qui pouvait rétablir cette harmonie avec lui. Dieu va donc chercher dans le ciel un ange capable de rétablir cette harmonie. Mais personne ne fut trouvé digne. Il regarda également sur la terre ces personnes qui restaient, sachant qu'il avait des hommes intègres, pleins de foi et autres. Mais malgré tout cela, Dieu ne fut trouvé personne sur la terre ou dans le ciel. Dieu, par son amour ou par son immense amour, va donc décider de laisser sa royauté et va envoyer un second Adam, quelqu'un qui, à l'image du premier Adam, devait maintenir cette harmonie parfaite avec lui. Sachant qu'aucun sacrifice ou holocauste n'était agréé par Dieu, le second Adam est venu ôter cette nature pécheresse en nous, afin que notre communion demeure, selon ce qui est écrit en 1 Jean 3, le verset 9, « Si quelqu'un est né de nouveau, il ne pêche plus. » Et ce second Adam dont nous parlons, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Ceci sera donc peut-être l'objet de notre prochaine discussion. Alors, il y a quelques leçons à retenir de cet échange par rapport au culte ou à l'adoration selon l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament. Première leçon à retenir, Dieu veut garder la communion avec l'homme. 2. Mais par le péché d'Adam, l'homme perd cette communion. 3. Dieu établit la loi pour aider l'homme à comprendre que Dieu est indispensable. 4. L'homme ne peut pas honorer toute la loi sans péché. 5. L'homme va donc ressentir le besoin d'avoir Dieu à ses côtés avec la construction, en l'occurrence, du tabernacle qui représentait la demeure de Dieu ou le fait d'offrir à Dieu des holocaustes ou des présents. L'homme 6, l'homme fait donc appel à Dieu, soit pour le remercier pour un bienfait, en lui demandant pardon, ou lui demander pardon justement, autant pour moi, pour une faute commise en offrant des holocaustes. On parle là donc du culte. Mais tout ceci ne purifie pas l'âme ou l'esprit de l'homme. Ceci s'arrêtait à une purification du corps, selon ce qui est mentionné dans le livre d'Hébreux. Et 8. Et Dieu, à cause de son amour, nous envoie Jésus qui vient ôter en nous la nature du péché. Et notre esprit, notre âme est purifié, et nous pouvons maintenant rendre un culte raisonnable que nous parle le livre de Romains 12. Ce culte du corps. Selon ce qui est écrit, offrez vos corps en sacrifice vivant, sain et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le but pour moi, c'était de partager justement ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et derrière également que vous soyez bénis au travers de cela. Je vous souhaite donc de passer une excellente journée sous la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.